C'est simple, la loi a tout changé. On avait des universités qui étaient poussiéreuses. On a investi sur les campus pour mettre les meilleurs équipements informatiques, les meilleurs équipements sportifs, les meilleurs amphis. On avait des universités qui étaient cloisonnées. Vous aviez dans un coin la médecine, dans un autre coin le droit. Maintenant, vous avez des passerelles entre les formations qui permettent de donner à nos étudiants les meilleures formations. Un ingénieur va apprendre les techniques commerciales. Un commercial va apprendre les techniques d'ingénieur. Et puis, vous aviez une université qui était porte fermée, fenêtre fermée dans sa relation avec l'entreprise. On a ouvert tout ça, on a oxygéné tout ça, et maintenant les universités travaillent en partenariat avec les entreprises. Tout a changé. Elle est à nouveau attractive parce que nous sommes en train de reconstruire les meilleures équipes de recherche. Vous voulez étudier sur Alzheimer ? C'est en France que vous aurez les techniques les plus compétitives. Vous voulez étudier sur les nouvelles façons de faire des interventions chirurgicales sans faire des énormes cicatrices? C'est en France que vous aurez les meilleures équipes. Vous voulez étudier sur l'économie avec les questions liées à la crise financière en ce moment? L'école de Toulouse est une des plus performantes en France. Donc vous avez une université française qui s'est métamorphosée et qui est sans doute la meilleure porte d'entrée à l'enseignement supérieur en Europe.